Un applauso tutto particolare vogliamo farlo per le persone ammalate presenti a questa celebrazione eucaristica. Un avviso per i celiaci, gli intolleranti al glutine che desiderano ricevere la comunione durante la distribuzione. Possono venire qui vicino al grande crocifisso e troveranno un sacerdote con le ostie per loro consacrate. Ci prepariamo, facendo silenzio nel nostro cuore, a questa celebrazione di Pentecoste e insieme cantiamo. Spirito Santo, vieni tra noi. 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 Buenos días. Buen día, un saludo a todos los peregrinos que venís de España, de países latinoamericanos y de Portugal. Nuestro saludo y bienvenida ante todo a las peregrinaciones de hospitalidades diocesanas, a la Hospitalidad Diocesana de Madrid, Alcalá y Getafe. A todos sus peregrinos, a los enfermos particularmente, a los hospitalarios y sacerdotes. Bienvenida también la peregrinación de la Hospitalidad Diocesana de San Sebastián. Igualmente saludamos especialmente a los enfermos, a los sacerdotes, a todos los peregrinos. Nuestra bienvenida también a la peregrinación de la Hospitalidad de La Coruña, Santiago de Compostela. Saludamos a todos los peregrinos, sobre todo a los enfermos, a los sacerdotes, todos ellos acompañados por el señor obispo auxiliar de la diócesis, Monseñor Jesús Fernández González. Y nuestro saludo y bienvenida muy especial a todos los peregrinos de las comunidades portuguesas en Francia. ¡Bienvenidos! Saludamos a los grupos, al grupo de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de Zamora. A los peregrinos de la parroquia Mare de Déu del Col de Barcelona. Al grupo de las misioneras cruzadas de la Iglesia de Barcelona, a los peregrinos de la parroquia Mare de Déu del Port y San Bartomeu de Barcelona, al grupo de peregrinos que vienen de Pontevedra, así como al grupo que viene de Orense y a otro grupo de peregrinos de Barcelona. Saludamos al grupo de San Juan Bautista y Santa Adrià de Besòs de Barcelona y al grupo de peregrinos de Soria y otro grupo que viene de Portugal, de Pobue de Varzim, también nuestro saludo especial. Y saludamos, como siempre, a cuantos se unen a nosotros y siguen nuestra celebración a través de Televisión Lourdes Internet. Celebramos la misa en la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que animó a los apóstoles para la evangelización, como sigue animando a los misioneros de hoy. Es el alma de la Iglesia y el que anima nuestra vida cristiana con su presencia y sus dones en nosotros. Cantemos, ven Espíritu Santo. Ven, oh Señor, ven los de Dios.
gesegnetes Pfingstfest Ihnen allen, die sich an diesem hohen Festtage heute Morgen zur internationalen Messe in der Basilika Pius X. eingefunden haben. Ganz herzlich grüße ich alle Pilger deutscher Sprache, unter Ihnen eine große Anzahl von Kranken, die an diesen Ort des Heiles gepilgert sind. Ich grüße die Wallfahrtsgruppe des Lourdes-Vereines von Köln ganz besonders herzlich. Ich grüße auch die Wallfahrer, die unterwegs sind mit dem Bayerischen Pilgerbüro aus Wien und Friedrichshafen und den umliegenden Dörfern. Ich grüße auch die Wallfahrer der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die heute unter uns sind, und die Wallfahrtsgruppe Eitermann, die hier herzlich willkommen geheißen werden sollen. An diesem Hohen Festtag feiern wir gemeinsam die Messe mit sehr vielen Gläubigen, unter ihnen auch die große Wallfahrtsgruppe aus Wann. Der Bischof von Wann wird die Eucharistie leiten. Wir wollen uns nun an den wenden, dessen Heilswerk, dessen österliches Heilswerk an Pfingsten vollendet wurde mit der Sendung des Heiligen Geistes. Mitten unter den Jüngern befand sich Maria. Maria, die an diesem Ort des Trostes und sehr nahe ist und die ihre Botschaft der heiligen Bernadette anvertraut hat, damit wir zum Leben kommen. So wollen wir uns nun auf ihre Fürsprache an den wenden, der nun mitten unter uns ist, und einstimmen in den pfingstlichen Ruf mit der Bitte um die Gaben des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Goedemorgen en hartelijk welkom aan u allen, pelgrims hier bijeen voor onze internationale mis op dit feest van Pinksteren. Aan u allen hier, maar ook thuis die thuis zijn, een zalig Pinksterfeest toegewenst. Ik begroet vandaag in het bijzonder de pelgrims van VNB uit Nederland en de reisgroep Maaskant uit Nederland ook. En uit Vlaanderen de pelgrims van Montfort Leuven. Pinksteren is allereerst een dankfeest. Dank om de geest die we hebben ontvangen. Dank om de geest die ons in staat heeft gesteld om de boodschap van Gods barmhartige liefde in Jezus te begrijpen. Maar Pinksteren is ook een feest om te bidden en te vragen om de geest, opdat hij geest ons leven zou kunnen doordecemen, opdat onze woorden en onze daden zouden getuigen van die barmhartige liefde van God. Daarom moeten wij ons hart opnieuw openstellen voor Gods boodschap, voor Gods liefde, voor Jezus zijn Zoon. Laten we daarom stilmaken en ons hart openstellen voor hem en voor elkaar. Dan kunnen we dadelijk aan de viering beginnen. Heilige Geest, daal op ons neer. Heilige Geest, daal op ons neer. Heilige Geest, daal op ons neer.
Esprit, Seigneur, Dieu, amour, consolateur, viens, habite notre cœur. Viens, ô Saint-Esprit, Seigneur, Dieu, amour, consolateur, viens, habite notre cœur. Souffle qui a tout créé, gioia dalle lacrime. Vieni, Santo Spirito, vieni, luce stella, vieni, tutta notte sola. Nuestra comunión. Rüst, die alle Unrüst stillt. Komm, o Feste, in der Post, Hörbe, Füße, refrigerio. Amen.
de nuestra comunión. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En souvenir de notre baptême, recevons sur nous l'eau bénite, signe de notre vie nouvelle dans le Christ. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Dal cuore di Gesù zampilla l'acqua viva, alleluia, alleluia. Chi da quest'acqua sarà purificato potrà cantare, alleluia, 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 alleluia. Mi manare l'acqua viva del Signore, alleluia, alleluia. Los che se la bene ne abibiran e cantaran, alleluia, 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 alleluia. I saw the living water flowing from Christ's side. Alleluia. Alleluia. Although the wash in this water will be saved and they will sing. Alleluia. 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 Alleluia.
da das Wasser, das aus Christi deite floss. Alleluia! Alleluia! Durch die das Wasser gereinigt und erlöst, singet dem Herrn. Alleluia! 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 Et Jesus Herz sag ich et Leben water strömen. Alleluia! Alleluia! Wenn die Worte gereinigt wird, soll Leben und exaltieren. Alleluia! 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, soci per precationem nostram. Miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudea osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene. Romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos y hermanas, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos y hermanas, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Aleluya. 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 Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Aleluya. Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Halleluja. Chers frères et sœurs, nous célébrons dans la joie la venue du Saint-Esprit et la merveilleuse transformation opérée par lui dans le monde. Nous savons bien que cet événement des origines de l'Église n'est pas pour autant un événement qui ne relève que d'un passé lointain. C'est un événement qui nous touche de près parce que chacun d'entre nous a reçu l'Esprit de Dieu qui lui donne une vie nouvelle, plus profonde, plus féconde, plus belle, la vie des enfants de Dieu. Et chacun d'entre nous doit vivre dans une docilité plus grande et plus joyeuse à l'action de l'Esprit pour que cette vie nouvelle puisse parvenir à son plein épanouissement. L'Esprit Saint est une réalité mystérieuse. Jésus, dans sa vie terrestre, pouvait être vu, entendu, touché,
comme l'écrira d'ailleurs l'apôtre saint Jean. Ce que nous avons vu du Verbe de vie, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'avons fait connaître. L'Esprit, lui, ne peut pas être touché avec les mains, vu avec les yeux, entendu avec les oreilles. Le jour de Pentecôte, sa présence se manifeste par le moyen de symboles. Le vent, le feu, les langues, qui sont très utiles pour nous donner un aperçu du Dieu Esprit et pour nous aider à nous disposer à son action dans nos vies. Je voudrais ce matin m'arrêter sur un seul de ces symboles, le vent. Pourquoi comparer l'Esprit de Dieu au vent? Parce que le vent est un souffle, une respiration immense, et l'Esprit de l'homme, sa présence dans le corps, se manifeste par le souffle, par la respiration. La vie de l'homme est manifestée par la respiration. Esprit, de fait, veut dire souffle. C'est ce qui a donné aux hommes l'idée que les réalités spirituelles, qui sont invisibles, sont plus importantes que les autres. C'est le souffle de la respiration. Qu'est-ce qui peut sembler plus faible et plus inconscient que la respiration? Et pourtant, c'est plus important que tout. On peut vivre plusieurs heures, plusieurs jours, sans manger, sans boire, mais on ne peut pas vivre plus d'un quart d'heure sans respirer. La même chose est vraie pour la vie d'enfant de Dieu. Sans l'Esprit-Saint, cette vie ne peut pas exister. Ne serait-ce qu'un moment. Nous sommes toujours vivifiés par l'Esprit de Dieu. Si nous nous séparons de lui, si nous nous rebellons contre lui, la vie divine en nous s'étouffe et meurt. Comme l'air est indispensable au feu, ainsi l'Esprit-Saint alimente le feu de la vie de la grâce. Sans lui, nous sommes asphyxiés et le froid de la mort spirituelle prend possession de nous. Il y a une seconde réflexion, c'est que la respiration nous met nécessairement en communion avec tous les êtres. Si nous voulons respirer, nous devons ouvrir nos poumons à l'air extérieur, à cette réalité extérieure qui entre en nous. Et nous ne pouvons pas séparer notre air de celui des autres.
tous respirent le même air. Si je veux séparer l'air que je respire de celui que respirent les autres, en m'enfermant hermétiquement, alors l'air que je respire sera vite vicié et irrespirable. De la même manière, l'Esprit de Dieu n'admet pas de séparation. Celui qui veut recevoir l'Esprit Saint doit être en communion avec les autres. L'Esprit Saint n'est pas un air limité, conditionné, reclus. C'est un vent impétueux qui fait respirer largement, qui renverse les barrières, qui met à mal les frontières. Demandons à l'Esprit Saint de prendre possession de nos vies et de les ouvrir aux dimensions du monde, aux dimensions de Dieu. Amen. Italien. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Patrem celestialem, Principium omnium, et in principium. Et in unum Domino, Jesum Christum, Thank you.
en ce jour très saint, prions pour l'Église et pour le monde, en adressant notre prière au Père par le Fils, dans l'Esprit Saint qui nous est donné. Prions pour l'Église. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur la protège et la fasse grandir, prions le Seigneur. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les jeunes. For the young, so that in their choice of life, they will seek to be at the service of their brothers and sisters, rather than serving their own personal interests. We pray to the Lord. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les vocations. Per le vocazioni sacerdotali, perché non manchi a nessuno il pane della parola e il pane dell'Eucaristia. Preghiamo il Signore. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour la paix dans le monde. Für die Regierenden, dass Gott ihnen helfe, Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden zu erhalten. Lasset zum Herrn uns beten. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour ceux qui souffrent. Por todos los que están agobiados por preocupaciones y miserias, para que reciban la ayuda de Dios, roguemos al Señor. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les personnes malades. Voor de zieken in onze families en gemeenschappen, dat God hen troost en sterkte biedt. Laat ons bidden. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour cette intention. Senhor, te pedimos por todos os migrantes portugueses, luso-descendentes, e por todos os povos do mundo, por intercessão de João Batista Scalabrini, o pai dos migrantes, possam encontrar a estrada que conduz à paz e à comunhão. Oremos, Senhor. Te rogamos audinos. Te rogamos audinos. Seigneur, en ce jour où nous célébrons le don de ton Esprit Saint, entends nos prières et daigne les exaucer, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répondu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quae ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te domine deprecabur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare dignieris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus.
ipse enim in qua nocte tradebatu, accepit panem, et tibi gratias adjuns benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam scenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias adjuns benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salvator mundi, alleluia, alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos, alleluia, alleluia. Expectamus adventum tuum, alleluia. Memores igitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, neg non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in cello, sed et presolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quae sumus in oblationem ecclesiae tuae, et agnoscens hostia, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine, filii tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatum consequi feliamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei genitrice Maria, cum beato Joseph, aius sponso, cum beatis apostolis tuis, et gloriosis martyribus, cum sancta Bernadetta, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adjuvare. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco,
et episcopo nostro Nicolao, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tuae, votis uius familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi, clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierum, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua peremniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Pax Domini sit semper vobiscus. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
su gran amor debemos sus testigos ser viviendo juntos en unión. Jesús,
Prions. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictus, ex hoc opus seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Oh, no.
solum seculi, et laudamus, laudamus nomen tuum in seculum, et in seculum seculi, per singulos dies benedicimus te, per singulos dies benedicimus te.
Thank you.